un plaisir de vous retrouver et bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Il existe des difficultés liées aux procédures utilisées pour la certification des biens et services. La période de faisabilité au sein du bureau burundais de normalisation. Vous suivrez dans ce journal la réaction du directeur général de la BBN. Et l'Office burundais de l'habitat et l'agence routière du Burundi ne sont pas performants à l'image des autres agences similaires dans la région. À l'issue du Conseil des ministres de cette semaine, il a été convenu qu'elles vont être renforcées techniquement et financièrement. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Savoir les procédures utilisées par le Bureau burundais de normalisation pour la certification des biens et services et la période de faisabilité sont les questions soulevées par les participants à la Journée internationale de la normalisation. Séverin Sindaikengera, directeur général de la BBN, indique que les procédures utilisées sont connues. Il ne nie pas plutôt qu'il existe des difficultés au sein de ce service, mais il tranquillise. Lydie Gahimbari. Certains participants à la Journée internationale de la normalisation ont soulevé des inquiétudes sur le fonctionnement du bureau burundais et de la normalisation, surtout sur les stratégies de vérification des produits trouvant sur le marché, s'ils ont été certifiés ou pas. Dans notre service, nous faisons des centres de suivi d'encadrement des structures d'innovation à travers tout le pays. Dès que nous leur posons des questions de savoir si leurs produits sont certifiés, il y en a qui nous répondent en disant que leurs demandes ont été adressées au BBN depuis longtemps, mais que les réponses traînent beaucoup. Et dans l'entretemps, leurs produits sont déjà sur le marché. Est-ce qu'il y aurait-il une stratégie de vérification des produits sur le marché pour savoir si tel ou tel autre produit est certifié par les services du BBN? Une autre question soulevée concerne les procédures exigées par le BBN avant d'octroyer le certificat de la mise en vente des produits. Quelles sont les procédures exigées par le BBN avant d'octroyer un certificat de mise en vente pour la consommation humaine? Sur toutes ces questions soulevées, le directeur général du Bureau burundais de la normalisation, professeur Séverin Sindayebula, indique que les procédures suivies pour donner l'un ou l'autre certificat à ces entreprises sont connus. Les procédures suivies pour donner l'un ou l'autre certificat à ces entreprises, c'est connu. Quand l'entreprise a un produit, il invite le bureau de normalisation pour faire l'échantillonnage et faire une visite pour donner des conseils sur les procédés technologiques de fabrication, bonnes pratiques, avec les difficultés que connaît notre bureau, ce qui fait que nous ne refusons pas ces erreurs. Ce qui est bon, on les a desserrés et nous sommes prêts à corriger. Ce que nous allons exiger aux entreprises, il faut se conformer. Le directeur général de BBN souligne également que le Bureau burundais de la normalisation a la prérogative de retirer le certificat une fois les procédures exigées à une entreprise ne sont pas respectées. L'absence d'un mécanisme d'assurance qualité des constructions au Burundi fait que le Bura chargé de l'urbanisme et l'ARB chargé des routes ne soient pas performants à l'image des autres agences similaires dans la région. Une remarque issue du Conseil des ministres de cette semaine. Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement rapporte que l'une des recommandations de ce conseil est de renforcer techniquement et financièrement ces agences. Suivez. L'Agence nationale de l'urbanisme et de la réalisation des infrastructures
est une structure qui devait résulter de la fusion de l'OBOA, Office burundais de l'urbanisme et de l'habitat et de la construction, et de l'Agence routière du Burundi, ARB. La fusion proposée était principalement dictée par le souci de complémentarité et d'intervention, pour l'amélioration des performances des deux entités. Mais comme il n'existe pas encore de mécanisme d'assurance qualité des constructions au Burundi, aussi bien les structures en place que celles proposées ne feront pas valoir la bonne pratique dans le secteur des constructions, telle que l'expérience observe dans les autres pays, surtout de la sous-région. L'OBOA, l'ARB ou la NIRI se contrôleraient elles-mêmes, alors qu'ailleurs, il existe des structures reconnues internationalement en matière d'assurance qualité. La fusion de ces deux structures risquerait de noyer la visibilité de chacune d'entre elles au niveau de la sous-région et vis-à-vis de certains de nos partenaires au développement. Il est alors proposé de surseoir temporairement à l'approche de fusion de l'OBOA et de l'ARB, renforcer techniquement et financièrement ces agences afin qu'elles améliorent davantage leurs performances dans le cadre de la nouvelle dynamique des travaux en régie. Mettre en place un mécanisme ou une structure de contrôle de qualité de construction, comme il en est le cas dans les autres pays, particulièrement ceux de la sous-région. Après échange et débat, le Conseil des ministres a soutenu ces propositions avec les recommandations suivantes. Veillez à ce que l'organe de contrôle de qualité de construction soit transversal et couvre toutes les infrastructures. Mettre en place une structure politique et technique de coordination de l'OBOA et de l'ARB décentralisée au niveau provincial, le cas échéant au niveau communal, surtout en perspective du projet de découpage administratif en cours. Et enfin, renforcer la stratégie d'exécution des travaux en régie. Le Burundi devrait envisager de tirer profit des potentialités que regorge le pays. La proposition a été faite par l'ONG Parsem, une organisation œuvrant pour le changement des mentalités, dans une conférence de presse tenue une année après la tenue du Forum économique. Faustin Dekoumana, le président de cette organisation, a indiqué que cela pourrait aider le pays à être parmi les pays émergents. Suivez-le. Il y a un potentiel énorme, potentiel agricole, il y a des plaines fertiles, il y a une pluviométrie suffisante, diversité climatique qui engendre une diversité culturelle, il y a un potentiel minier énorme, il y a un potentiel touristique. Le Burundi a une position de plaque tournante dans la sous-région. L'est du Congo, l'ouest de la Tanzanie, un petit pays qui peut développer les services de façon énorme. Le Burundi peut faire de Bujumbura la capitale touristique de la sous-région. C'est d'accord de cette beauté, mais de la ville de Bujumbura à sa localisation sur le lac Tanganyika. On peut vraiment faire une capitale de conférences qui se tiennent ici. Dans notre pays, il y a le tourisme d'affaires, le tourisme. Un petit pays doit avoir comment se vendre. Si on avait un aéroport international très moderne, tous les Congolais passeraient ici pour prendre des vols. Tous les Congolais de l'Est, les Tanzaniens de l'Est viendraient ici à vous. Le potentiel, il est là. Mais il faut continuer de couper dans cette misère indescriptible. Alors il faut les trois actes. Sans le nouvel ordre de gouvernance dans ce pays, on ne peut pas. En international, l'Assemblée générale des Nations unies travaille sur la réforme du Conseil de sécurité. Selon Africa News, cette Assemblée générale qui s'est tenue ce vendredi donne une plus forte représentation de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Images et commentaires. L'Assemblée générale de l'ONU s'est penchée ce vendredi sur la nécessité de rendre plus inclusif son Conseil de sécurité en donnant une plus forte représentation à l'Afrique. L'ambassadeur de la Sierra Leone à l'ONU a insisté sur ces réformes très attendues.
La nécessité d'une réforme globale du système des Nations Unies qui contribuera de manière significative à faire respecter les principes, les objectifs et les idéaux de la Charte des Nations Unies pour un monde plus juste, fondé sur l'universalisme, l'équité et l'équilibre régional. Les réalités géopolitiques actuelles sont impérieuses pour une réforme globale du Conseil de sécurité. L'Afrique reste la seule région géographique sans représentation dans la catégorie des membres permanents. L'ambassadeur de Chine, Zhang Jun, membre du Conseil de sécurité, a estimé que toute réforme de cet appareil de l'ONU permettra de corriger l'injustice historique faite à l'Afrique. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro et bon week-end.